est que nous avons créé des systèmes qui ont perdu toute forme de compassion, qui ont perdu la capacité à reconnaître le malheur d'autrui dans les décisions qui sont prises. Le peuple congolais n'aspire qu'à une seule chose, vivre dans de bonnes conditions et manger au moins 3 fois par jour. Mais depuis plusieurs années, personne ne comprend pourquoi la RDC, un pays si riche, a une des populations les plus pauvres de la planète. Congo Mikili a rencontré des matières grises du monde entier pour essayer de répondre à cette question qui semble évidente, mais cache le secret du fonctionnement du monde actuel. Dans ce document, nous vous présentons le résumé de leurs réflexions. Alors, pourquoi la RDC, pays très riche, a un peuple si pauvre? Voici les différents facteurs qui déterminent la richesse d'un pays. Les terres agricoles, le climat, les richesses du sous-sol, les terres urbaines, la quantité de la population, le niveau d'éducation de la population, la santé de la population, le niveau de technologie et d'industrialisation du pays, et sa capacité militaire. Seul bémol, la RDC manque cruellement un bon niveau d'éducation de sa population, de bons soins de santé, de technologie et d'industrialisation, et d'une capacité militaire presque inexistante. Malgré un très bon climat pour l'agriculture et une grande quantité de main-d'œuvre humaine, nous n'exploitons pas nos terres agricoles, et l'exode rural amène toutes les populations des villages dans les grandes villes où il manque cruellement de travail par manque d'industrialisation du pays. Comment alors les Occidentaux contrôlent nos richesses du sous-sol? La malédiction des ressources naturelles, c'est ce genre de situation paradoxale constatée à de nombreuses reprises dans l'histoire moderne et antique. Des pays riches en ressources, mais pour qui cette richesse est synonyme de catastrophe. La financiarisation signifie que l'économie est de plus en plus centrée autour des marchés financiers. Et cela se manifeste de différentes façons. Il faut s'imaginer un trader en train de négocier des contrats à terme sur les matières premières, dans son bureau quelque part à Wall Street, à Greenwich, dans le Connecticut ou ailleurs. Cette personne est complètement déconnectée de ce qui se passe dans le monde réel. Il introduit une série de chiffres complexes dans cet algorithme qui va tout décortiquer et l'aider à décider du moment idéal pour acheter et vendre, sans jamais prendre en compte que la conséquence, c'est qu'une personne en Afrique meurt de faim ou qu'une famille au Moyen-Orient a besoin de chauffer sa maison. Les prix fluctuent énormément actuellement. Et cela n'est pas lié à une nouvelle guerre du Golfe ou à une crise financière massive. Recevoir l'alerte d'une possible hausse de prix avant votre concurrent vous permet d'acheter avant lui et de vous constituer un stock afin de minimiser les effets de l'augmentation à venir. Produits réels dans l'économie réelle, comme les maisons, le pétrole, le blé, et quasiment n'importe quelles ressources sont financiarisées et entrent sur le marché. Dans ce processus, ils sont étudiés sous toutes les coutures et leur valeur peut être amplifiée. Mais tout ça, ce n'est que de la fiction, parce que dans le monde, le nombre de maisons et le nombre de barils de pétrole est limité. Pourtant, les traders sont capables de spéculer à l'infini sur ces marchandises. Tant que nous ne dénoncerons pas l'instabilité des marchés, nous continuerons d'observer, suite à une hausse des prix, des mouvements sociaux en Afrique, en Asie et ailleurs dans le monde. Les Occidentaux ont digitalisé nos matières premières grâce à la bourse. Nous ne contrôlons pas les prix de nos matières premières sur les marchés boursiers. Des spéculateurs achètent des titres boursiers, stockent virtuellement nos matières premières pour essayer de les revendre plus tard et faire de gros profits. Vu que nous n'avons aucun contrôle sur les prix de nos richesses, ces spéculateurs peuvent manipuler le prix du coltan ou du cobalt à volonté et déstabiliser ainsi notre économie. Aujourd'hui, à Wall Street, ce sont des algorithmes par intelligence artificielle qui décident de la vie du Congolais. Les Occidentaux ont mis en place un système qui a un seul objectif, acheter les matières premières au prix les plus bas possibles au Congo, les transformer en Asie au prix les plus bas possibles, et revendre des produits en Occident
aux prix les plus chers possibles. Où leur propre population est obligée de s'endetter à vie pour pouvoir consommer des produits de plus en plus chers, comme cet iPhone qui a le même prix que le SMIC en France. Et que nous avons créé des systèmes qui ont perdu toute forme de compassion, qui ont perdu la capacité à reconnaître le malheur d'autrui dans les décisions qui sont prises. Et si nous ne résolvons pas ce problème, nous allons tous souffrir. Beaucoup plus que par le passé. Nous allons souffrir davantage. Une société dépend directement de la santé et du bien-être de ses habitants. Et le fait que le système ait dissocié le bien-être économique du bien-être de l'être humain est la manifestation de son propre échec. En aucun cas, le bien-être économique ne doit et ne peut être dissocié du bien-être de la population. Que faire face à cette situation? Diversifier l'économie. D'abord, les Congolais doivent apprendre à se nourrir. Au lieu de s'entasser dans des villes sans travail, les Congolais doivent retourner dans les villages pour cultiver et manger. Après avoir mangé, on pourra commencer à s'instruire. Après l'instruction et l'augmentation de notre niveau de technologie, on pourra s'industrialiser. Renforcer nos capacités militaires pour protéger nos matières premières. Et enfin, atteindre l'intégration verticale. Aller de la conception à la vente des produits made in Congo. Ce futur est possible si seulement le Congolais identifie ce qui fait son malheur. Ce n'est pas l'Occident, mais plutôt notre incapacité à comprendre pourquoi on a un pays si riche, mais qu'on reste pourtant si pauvre. Nous croyons que ce documentaire est le début vers la solution, le début d'une nouvelle façon de réfléchir qui sort des plaintes et lamentations habituelles, mais qui dresse un plan d'action vers le bonheur du peuple. Konzo Force. You want to work 10 times stronger than usual, to do overtime, and have a happy couple. The solution is Konzo Force, a 100% natural product made from Congo plants, well balanced by the latest technology specialist of American medicine, and especially very affordable. With only $20, get a box of 5 bags of Konzo Force delivered to you in 2 days. To buy now, go on www.zendo.congomakili.com. Konzo Force, the secret of men's strength to satisfy women since the time of our ancestors.